Bon, tu sais pourquoi on est là, mon petit cœur? C'est parce qu'il y a une nouvelle voiture. En réalité, c'est pas vraiment une nouvelle voiture. C'est la Dacia Spring qui se fait une beauté. Oui, la Dacia Spring, c'est la toute petite, la plus petite comme toi, de la famille, mais là, de la famille Dacia. On va faire le tour? Allez, viens. On va voir ça. Viens avec papa. Alors, tu vois, ce qui change là, c'est surtout la face avant. Tu vois, regarde comment ils ont tout refait. Là, tu retrouves le fameux bandeau que tu as sur Duster. Ouais, tu vois, bandeau, c'est là où tu mets la prise. Oui, le bandeau. Et ça, c'est des feux à LED. T'as vu là, les feux? Là, regarde, les feux à LED. Ils sont en forme d'Y. Alors, par contre, tu vois, les optiques, non, ils sont déplacés, là, ici, dans ce bandeau noir, là. Et autre chose qui est plutôt assez sympa, bon, en dehors du fait qu'ils ont tout redessiné, c'est que là, regarde, le bumper. T'as vu, le bumper? Ouais, c'est tombé. Le bumper, donc ça, là, le pare-choc, dans cette finition haut de gamme, en réalité, là, tu as un sticker qui donne une impression comme ça assez citadine. Pourquoi? Parce que ce nouveau de Spring ne change pas au niveau de la plateforme technique. Donc, on garde le moteur de 45 et de 65 chevaux. Et en plus, la petite batterie qui permet de faire techniquement 200, un peu plus de 200 km. Donc, suffisant pour tous les jours, mais pas du tout suffisant. Là, c'est le micro à papa. Pas du tout suffisant pour partir en vacances avec. C'est pour ça que nous, on n'a pas ça. Par contre, elle est jolie, non? Maintenant. Elle est jolie? Bah oui, la maison, on ne part pas avec ça. C'est le micro, ouais. Toi, t'en as un autre là. Tiens, on va faire le tour de côté. Bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, toi, dans cette nouvelle version, c'est que là, ils ont énormément travaillé, toi, tout ce qui est le style. T'as vu ça? C'est du plastique. Et en plus, ce plastique, il est teinté dans la masse. Ouais, teinté dans la masse. Tu peux le rayer, il va rester noir. C'est chouette, ça. Ouais, tu peux taper, ouais. Vas-y, comme ça. Alors, autre chose aussi qui est intéressante dans cette version haut de gamme, c'est que là, ils ont augmenté les roues. Les roues, elles sont passées en 15 pouces avec des jolis enjoliveurs tout noirs. T'as vu ça? Non? T'aimes bien les enjoliveurs comme ça, tout noirs? Ah, viens, viens, on continue. Alors. Là, on reconnaît quand même l'allure, le profil de l'ancienne Spring, bien qu'il y ait quelques modifications, mais pas grand-chose. Donc, ces fameux, voilà. Hein, ces fameux. Tu ouvres la porte? Tu vois l'intérieur? Bah, après, on va faire ça après, mon cœur. Et là, regarde. T'as vu ça? Ça, c'est assez intéressant. Parce que ça coupe pas grand-chose et ça donne vraiment de l'allure. Ça coupe la ligne. Et en plus, c'est bien intégré ici. Mais il faut savoir que ça n'a pas changé, la porte. Ça se voit. C'est la même. Par contre, viens voir l'arrière. L'arrière a beaucoup changé. Viens voir. Regarde l'arrière comme il est beau. Waouh, t'as vu ça? Il n'a plus rien à voir avec l'autre. T'as vu ça? Oh, bah t'as ouvert le coffre. Comme quoi que c'est un jeu d'enfant d'ouvrir le coffre. Juste le petit bouton. Et là, regarde, t'as vu ce beau grand bandeau? Le grand bandeau que tu as ici, il est intégré avec les feux là. Et le Dacia écrit en doré dans cette version haut de gamme. C'est joli, t'aimes pas? Ça la transforme, hein, la voiture, c'est plus du tout la même. Tu veux vraiment voir le coffre? Bon, ok. Alors le coffre, il fait un peu plus de 300 litres. Ben, il n'a pas changé, mais pour la gamme, c'est beaucoup. T'as vu ça, le coffre? C'est beaucoup. Tu veux rentrer dedans? Ah, attention. Ouh, tu rentres dedans, hop. T'as vu, tu rentres bien dedans. Et là, tu as pris mon micro. Hop, lâche le micro à papa. Merci. On remet le micro. On reprend le micro. Vous faites pour pas que tu touches au micro, papa. Voilà. Donc là, on retrouve le fameux coffre de la Spring, qui est bien pour la gamme, qui est vraiment pas mal, de un peu plus de 300 litres. Mais quand tu rabats tout, tu as plus de 1000 litres. Et d'ailleurs, à savoir qu'il y a une version donc cargo, ou donc sans les sièges à arrière, et on peut mettre justement plus de 1000 litres et 365 kilos de charge de mémoire, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ça, c'est pour la livraison du dernier kilomètre. C'est intéressant. Et surtout maintenant qu'elle est jolie, bah, ça peut être vraiment un choix à prendre en considération. Moi, j'aime beaucoup. Bah oui, c'est joli. Regarde, t'as vu ça? C'est pas mal. Et là, ils ont utilisé la même astuce sur le pare-choc, les fameux stickers qui lui donnent vraiment du caractère. Donc, avec pas grand-chose, ils ont vraiment fait une voiture qui n'a plus rien à voir. On va voir l'intérieur? Allez, on va voir l'intérieur. On rentre à l'intérieur. Allez.
C'est toi qui t'assieds? Allez. Hop. Ah. T'as vu l'intérieur? Il n'a plus rien à voir. Il est vraiment monté en gamme. Évidemment, la planche de bord, comme vous pouvez le voir, est vraiment, vraiment différente. Et les plastiques sont plutôt de bonne qualité, en qualité perçue, rien à voir avec la chinoiserie qu'on avait jusqu'à présent. Et la grosse nouveauté, c'est évidemment les écrans qui foisonnent d'un peu partout, comme dans une vieille voiture haut de gamme. Donc vous avez les portes, non, non, là, elles sont ouvertes, sinon je ne peux pas parler mon cœur. Donc vous avez, voilà, les fameux écrans qui sont, comme vous pouvez voir, ultra réactifs. Donc un écran de 10 pouces, il vient du Duster, et un écran de 7 pouces derrière le volant, qui vient lui aussi du Duster. Et comme vous pouvez voir, c'est assez facile d'actionner, hein. L'ergonomie a l'air d'être vraiment pas mal. Un gars, c'est bien? Ouais, t'as vu ça? Tu touches à tout, ça me fonctionne. Voilà, tu veux mettre la musique peut-être? Ou pas? La musique? T'aimes bien ou pas? C'est joli? Gary? D'accord. Bon, allez, viens, on sort. Que l'essentiel est dit sur l'intérieur, donc avec ces fameux... C'est le nouveau plastique, c'est le nouveau mobilier. Vous avez des beaux sièges. Donc voilà, vraiment, la voiture a vraiment énormément changé et le style fait que tout à coup, bah, vous avez plus le côté chinoiserie de la première génération. Là, vous avez vraiment l'impression d'être devant une voiture européenne. Même si, attention, au niveau technique, la plateforme n'a pas changé, je le répète, les moteurs non plus. Donc, si vous voulez plus de... Non, pas maintenant, ce serait bien. Si vous voulez plus de polyvalence, la version 65 chevaux est à vraiment prendre en considération par rapport à la 45 qui limite vraiment ses performances. Mais pour une voiture du quotidien, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et maintenant, on n'a plus honte de rouler avec, quoi. Moi, j'adore cette face avant de Duster. C'est un mini Duster. C'est vraiment super sympa. À savoir aussi autre chose, c'est que... Oui, c'est le micro. L'autre chose que c'est super intéressant à savoir, c'est que ils ont aussi enclenché du V2L. C'est-à-dire que la batterie peut servir à faire fonctionner, par exemple, une machine à café quand on est prise de 220 volts. T'as vu ça? Bon, bah, je crois qu'il est vraiment temps que je vous dise au revoir. Allez, à plus pour une prochaine aventure. Tu dis au revoir, mon cœur? Au revoir.